Alors, du coup, là, on est sur le livre « Dans l'ombre de la nuit », mon tout premier livre. Donc, c'est, ça se passe dans un futur très proche, en 2027. Il y a une entité surnaturelle qui a envahi la surface de la planète et a éradiqué 90% de la population mondiale. D'accord. Donc là, on suit une famille, 6 mois plus tard, qui a appris à vivre malgré ça. Donc Laura et Mike, qui, au fur et à mesure des pages, tentent de s'unir justement et trouver un moyen de se protéger de ce mal au long terme. Donc ils s'arment de patience et de lumière. Et ils rencontrent forcément, il y a des petites péripéties, et ils vont rencontrer des gens qui vont les aider et d'autres... Qui vont pas les aider. Voilà, tout à fait, exactement. Et là, le prochain est actuellement en cours. Donc d'accord, et ça va être la suite alors de cette histoire ? C'est dans le même univers. Dans le même univers. C'est dans le même univers, je peux pas spoiler, donc voilà. C'est pas forcément une suite alors. C'est pas forcément une suite. D'accord. C'est une suite sans en être une, j'aime bien. Pour les personnes qui ont du mal à se faire une idée de l'entité, ça donne ça. J'ai commencé par un roman qui s'appelait Bagnarde de Cadillac. C'était l'histoire d'une jeune femme qui avait commis un infanticide suite à un viol. Le fond était authentique et c'est un roman qui a absolument bien tourné. Et en même temps, j'avais fait un autre roman qui s'appelait 1356, qui avait été édité par le Pictavien éditeur d'ailleurs. D'accord. Sur la défaite du roi Jean de Lebon. Vous voyez, j'ai fait des romans un peu philo, comme Mes pensées en désordre. Alors ça, c'est j'extrais de mes petits cahiers à spirale mes pensées, mes réflexions. D'accord. Que j'ai eues au cours de ma vie. Parce que j'écris tous les jours, j'écris une réflexion. Mais bon, je reste modeste par rapport à ça, il faut rester humble, parce que c'est compliqué quand même. Ah, c'est une passion, c'est pas pour en vivre. Oui. Mais j'ai fait en sorte, dans mes romans historiques, d'amener quelque chose au lecteur. D'accord. Donc je fais beaucoup de recherches, de documentation, pour que le lecteur, quand il tombe dans un de mes livres, il ait de la matière. Beaucoup lire et puis faire beaucoup de recherches. Il faut aussi se déplacer. Je fais partie aussi des antiquaires de l'Ouest, donc ce qui fait que j'ai aussi des sources d'informations. C'est, d'accord. Voilà, j'adore l'architecture. Merci bien. Bonjour, moi je m'appelle Muriel Chassagne, je suis assistante maternelle et aussi l'auteur de la série Les petites aventures de la Maison Bleue. Ce sont les histoires de 5 enfants chez une assistante maternelle à qui il arrive plein de merveilleuses aventures, bien évidemment. Donc ces livres-là représentent vraiment tous les enfants peuvent s'y retrouver. C'est adapté de 2 à 7 ans et ça c'est le petit dernier de la série, tous à la plage, dans ma maison. Ma maison devient une plage où on joue avec le sable, les coquillages et où il se passe plein de belles choses. Eh ben bonjour, moi c'est Claire Ouest, je suis ici donc au salon pour fêter le premier anniversaire de mon roman Une nuit de sa main. Voilà, donc il est tout à fait d'époque puisque ça se passe à sa main qui est l'origine d'Halloween. C'est un thriller avec une pointe de fantastique. Vous avez des meurtres, vous avez des secrets de famille, vous avez plein de petites choses. Il est surtout haletant, avec une pointe de sang naturel. Donc, et ça se passe au Dora, dans la Haute-Vienne. Donc une petite ville médiévale qui se prêtait très bien au niveau du décor, à l'histoire. Donc ça, c'est le premier. Il fête son anniversaire, donc là, ces jours-ci. Et le second roman sortira dans la première quinzaine de décembre. Donc ça sera Blessure profonde et c'est un pur thriller. Et sinon, il faut avoir toutes les infos et les réseaux sociaux sur mon site web, claire-west.fr. Voilà, merci. Donc je m'appelle Nina Pardou et j'ai été collaboratrice parlementaire pendant 3 ans. Ce livre s'inspire de mon activité professionnelle. J'ai travaillé auprès d'une sénatrice un petit peu hors norme, qui avait un comportement un petit peu décalé, un peu égocentrique. Ces quelques pages reprennent un petit peu les aventures, parce qu'on peut parler d'aventures quand même, que j'ai vécues auprès d'elle et jusqu'à la fin de mon contrat. Voilà, il faut savoir que ce contrat s'est terminé par un dossier prud'homal, puisque c'était de l'ordre, son comportement était de l'ordre du harcèlement. Voilà. Mais l'écriture m'a permis de mettre à distance ce que j'ai vécu et je le raconte avec beaucoup de légèreté, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Je vous rappelle que vous avez à disposition un bar, vous pouvez prendre quelque chose de chaud ou de froid, et puis la restauration qui aura lieu vers midi et demi, dans moins quart. Et qui se passera dans la salle à côté. Et je vous rappelle que tout au long de la journée, nous avons un jour chez Lolo, qui est donc une chaîne YouTube qui est parmi nous aujourd'hui,
pour faire un petit reportage, que dis-je, un grand reportage sur ce magnifique salon de la littérature généraliste, qui d'ailleurs a un nom puisque on l'a appelé la plume vagabonde. Bonjour, alors je raconte mon journal intime, j'ai écrit mon journal intime sur 10 ans de vie. Et je vis un miracle de vie le 6 octobre 2022 et le lendemain j'écris 11 jours et depuis j'ai osé le publier en auto-édition. Donc maintenant j'espère avoir un éditeur plus tard et depuis l'aventure elle est incroyable. Et monsieur Noirot m'avait donné ma chance l'année dernière au Salon du Livre de participer alors qu'il venait juste de sortir. Je viens et j'ai eu le bonheur de gagner le prix du public l'année dernière à Chambourg. Alors que j'ai très peu lu dans ma vie, c'était pas mon moment. Il y a eu un déclic. Oui, ce que j'ai vécu le 6. C'était pas facile d'écrire cette histoire, mais j'ai osé l'écrire et depuis, même tout le monde me croit, donc c'est incroyable. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé à la relecture comme ça, que je connaissais à peine. Mon sein est tatoué d'une peinture que j'ai faite à l'époque. D'accord. Et ce qui est intéressant, là, il y a 15 jours, je n'aimais pas les tatouages, pareil. J'ai fait tatouer une peinture par un artiste en vrai tatouage à Paris. Donc ça va dans la continuité de mon parcours, ça sera écrit dans le livre de... Alors moi j'ai deux thrillers avec mon patronyme Michel Cousseau, avec une enquêtrice qui est l'héroïne de mes deux romans, de mes deux thrillers, qui s'appelle Alison de la Rochette. J'ai publié après un livre plutôt de terroir qui s'appelle La vie presque ordinaire d'Alexandre. Donc c'est un livre qui narre un peu la vie du monde rural, des gens extrêmement pauvres. Qui en bavaient, quoi, et puis qui ont eu le malheur de traverser une période où il y a eu quand même deux guerres épouvantables. Oui, oui. Voilà. Et le dernier, celui qui marche bien, là, qui est sorti au mois d'août. Alors là, j'ai pris un patronyme, enfin un pseudo qui s'appelle Mac Calade. C'est un petit polaire, on va dire une chronique criminelle villageoise, qui s'appelle Le village maudit. Puis après, arrivé à la retraite, je me suis dit, tiens, Pourquoi pas. Et voilà, mon premier, donc, Le cauchemar sur la ville, est arrivé. On a refait une belle couverture, j'ai repris le texte, et puis donc il va avoir une deuxième vie. Donc on profite des salons, ou voir des dédicaces dans certains magasins. De D'accord. Petites histoires qui sont très courtes, qui sont faciles à lire, j'ai fait exprès, de façon à ce que quelqu'un qui est fatigué, donc par exemple quelqu'un qui est à l'hôpital, quelqu'un qui prend un train, il va lire une histoire, comme ça il ne sera pas frustré, il aura la faim. Et ça permet vraiment de retrouver le plaisir de lire. Voilà, à la fin, alors il y a énormément d'histoires, il y en a une trentaine. Et à chaque fois, c'est résilient parce que c'est positif, il y a quand même toujours comment est-ce qu'on peut rebondir. À la fin, il y a toujours un message. C'est pas un yaka, faut que c'est vraiment un message qui fait que tout dépend dans quel état émotionnel on se trouve. On va lire et on pourra la reprendre 2 ans après et on n'aura pas forcément la même façon de l'interpréter. Et l'autre livre, j'ai fait un livre à colorier éducatif, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'à colorier. Et j'ai travaillé avec une illustratrice. J'ai mis des mots en caractère particulier et chaque mot va susciter une énigme. Et un coloriage, s'il veut. Des couleurs de temps en temps, de façon à donner des idées. Et après, à la fin, on insiste un peu sur des valeurs. Aimer papa, maman, le sourire, le soleil, voilà. Les solutions sont à la fin du livre. C'est bien ça. Voilà. Ça, c'est le premier. Celui-là est sorti cette année, en avril. Alors voilà, je suis créatrice couture autour du livre et du lecteur. D'accord. Je crée des marque-pages, des coussins de lecture, des pochettes à livres, des protège-livres. Et ce ne sont que des pièces uniques. C'est mon métier aujourd'hui. Donc oui, ça me prend du temps, mais en même temps, c'est une passion. En fait, tout ce que vous avez là, c'est ce que je fabriquais avant dans mon ancienne vie professionnelle, on va dire. D'accord. Et en fait, grâce à une amie libraire... quand je suis tombée malade, il fallait que je trouve autre chose à faire. Et elle m'a dit, mais tout ce que tu nous fais comme cadeau à tout le monde, là, bah, fais-le pour les autres et vends-les. Donc j'ai commencé à exposer mes marque-pages chez elle. Mmh. Ça a marché.
Donc, je continue maintenant. Je me suis lancée et le fil et la plume à 2 ans. Alors, je fais beaucoup de salons du livre. J'ai commencé par des marchés de créateurs ou des marchés de Noël aussi, évidemment. Et maintenant, je cible les salons du livre. C'est là où ça marche le mieux, en fait, pour moi. Et puis, les marchés de Noël, évidemment, ça marche très, très bien aussi. Puis bon, les marque-pages, évidemment, c'est par là que j'ai commencé. Hein. C'est par ça que... Avec quelques petites broderies. Oui, avec des petits bijoux de livres. Moi, je les appelle les petits bijoux de livres. Voilà. Là, je m'amuse. Et ça, c'est personnalisable. D'accord. Je peux écrire la phrase qu'on veut. Des idées de lectrice avant tout. Parce qu'avant tout, je suis une grande lectrice. En fait, je transmets mon amour des mots à travers ce que je crée aujourd'hui. Voilà. Je peux résumer comme ça. Merci. J'ai dit à la dame, ça c'est un marque-page spécial lecture en duo, tu marques 2 pages. Le mari, il lit, hop, il met son marque-page, il met, mais c'est vrai, et la femme lit. Et la femme lit, elle met son... Ah mais c'est pas bête. C'est le marque-page à 2 lecteurs pour le même livre. Il faut le breveter, ça. J'ai pensé à ça tout à l'heure en le disant. C'est une super idée. Il faut le présenter comme ça. J'y avais pas pensé. Mais mon mari est intelligent. C'est une encre spécifique et quand on chauffe, ça s'incruste dans le tissu. Et ça ne bouge pas. Vous avez ça, vous pouvez laver ça 10 000 fois, ça ne bougera pas. Je m'appelle Yves Godard. Je propose des livres accordéon, qu'on appelle aussi des Leporello, en fait, qui sont des livres où je mêle mes photos et mes textes dans une certaine recherche d'harmonie et de beauté. Et une partie de mes livres accordéons sont constitués de textes que je pris dans des livres qui, eux, sont épuisés. Et puis, la plupart des photos que je présente, alors bien sûr, je fabrique les livres, les photos sont à moi, les textes sont à moi. Et la plupart des photos ont été prises sur les chemins de Compostelle que j'ai sillonnés dans tous les sens pendant des années. Je partage mon monde. Bonjour, moi c'est Garance Verdon-Avizeau, dite Garance Imaginarium sur les réseaux sociaux. J'écris dans les genres de l'imaginaire, principalement destinés à un public de grands ados et d'adultes. J'ai écrit de la science-fiction, de la fantasy, du steampunk, du post-apocalyptique et de la dystopie. Donc tous mes livres ont tendance à questionner un petit peu le genre humain, l'humanité. Je prends beaucoup de plaisir à écrire des one-shots comme des sagas. Je crée toujours des personnages qui ne sont pas forcément héroïques. J'aime bien entretenir le fait que tout le monde est humain. Et j'espère sincèrement pouvoir ravir tout le monde dans le salon et je suis heureuse d'être là. Bonjour, je suis Brigitte de la Roche-Lambert, auteure de La Vienne, et je présente aujourd'hui à ce salon pratiquement exclusivement des livres sur notre région, notre Poitou, notre Vienne. Vous avez ici par exemple un livre qui s'intitule Vienne remarquable avec énormément de photos en couleur. Ici vous avez un livre sur les ponts de la Vienne, je dis bien de la Vienne, non pas de la rivière, mais de tout le département de la Vienne. Ici, vous avez un essai sur la gastronomie. Madame Sophie Pic, qui est triplement étoilée au Michelin, m'a fait l'honneur d'en rédiger la préface. En dernier lieu, il s'agit d'un ouvrage illustré de 162 photos en couleur sur les vitraux modernes et contemporains dans le Poitou, c'est-à-dire la Vienne et les Deux-Sèvres. J'ai commencé il y a 2 ans à écrire un livre au moment où, après que ma femme soit décédée. Et ça m'a permis de me dévoiler sur ma vie. Et ma vie a été très très bien faite, puisque chaque personne que j'ai connue m'a tendu la main, et ce qui m'a permis d'écrire le livre. Et toute ma vie, elle était faite comme ça, et c'est pour ça que je me suis permis de faire un livre. Et donc, le premier, il était normalement prévu pour mes petits-enfants, pour qu'ils sachent ce que je faisais depuis tout jeune. Et les gens m'ont dit qu'il n'était pas complet. Donc, j'étais obligé d'en faire un deuxième. C'est comme ça que je suis arrivé ici, et j'en suis très content. Et en plus de ça, je suis rebouteux. Donc, ce qu'on appelle maintenant thaumaturge. Et c'est ce qui m'amène beaucoup de monde, et les gens sont très contents, et ça se passe de bouche à oreille. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et je suis très très fier de ma vie. L'association Pictabook organise également d'autres salons, le prochain étant le 19 janvier 2025 à Chauvigny, salon généraliste, théâtre Charles Trenet, donc salle de spectacle aussi. Et puis il est prévu aussi un autre salon qui n'est pas fait par Pictabook, mais par le Requin Bleu Édition, qui est le Salon Jeunesse,
qui aura lieu, qui est prévu, le 16 mars 2025 à Tercé, petite commune du Grand Poitiers. Bonjour, je m'appelle Liliane Avram et j'écris du policier. J'ai commencé par écrire des nouvelles policières. Mon premier, c'était « Chaque crime en son temps », qui sont des nouvelles policières. Et donc, dernièrement, j'ai écrit l'année dernière, alors des romans, qui sont assez courts, d'ailleurs, c'est mon style, « L'empreinte des disparus ». Et le dernier, c'est « La rançon du malheur ». J'aime beaucoup écrire des romans policiers, ouais, vous aimez ça, qui ouais. sont sans barbarie, sans horreur. Ce que je privilégie, c'est j'essaye d'installer un climat, le suspense ouais. et la psychologie des personnages. Et puis donc, je suis éditée aux éditions Execo. Ben, moi, j'écris du livre pour enfants. C'est des contes pour jeunesse. Voilà, c'est parti du fait que je voulais raconter des histoires à mes filles. Ouais. Et du coup, pour ne pas perdre les histoires, je les ai écrites. Ouais. Et puis, à force de passer dans les écoles, on m'a dit « Mais pourquoi vous n'en faites pas un livre ?» Voilà. J'en ai fait un livre. Voilà. Donc, j'ai fait le tome 1, donc c'est Sarah. C'est Sarah Comte, c'est ma fille. Et puis, j'ai fait le tome 2 ensuite, parce qu'il a plu. Le tome 3 est en cours de finition. Le 3, j'attends juste les dessins de l'illustratrice, parce que moi, je ne dessine pas. Puis après, j'ai fait du ado avec un autre auteur qui est sur le salon. Donc, c'est un peu comme... C'est le même principe que le Club des 5. Ah. C'est un groupe de jeunes qui vont mener des enquêtes dans leur village. Voilà. Et puis le dernier que j'ai écrit, ce sont des nouvelles que j'ai écrites quand j'avais 16 ans. J'avais jamais osé les faire lire parce que c'était du meurtre et que j'osais pas trop à 16 ans faire lire ce genre de choses. Et en fait, l'année dernière, je l'ai envoyé à une maison d'édition et ils m'ont dit ben, « on l'édite ». Les Sarah Raconte, ça a commencé donc quand j'étais enceinte de ma première. À chaque fois que j'en ai un qui part, je le dis aux parents, aux enfants, « merci de me faire un retour de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas aimé, parce que ça permet d'évoluer ». Et le tome 3, par exemple, il est fait exclusivement avec que des demandes d'animaux qu'on m'a faites. C'est un travail avec eux, hein. C'est eux mes lecteurs, hein. Je travaille pour eux et avec eux. Voilà. Très très bien, merci en tout cas. Merci. Bonjour. Bonjour, présentez-moi un petit peu votre travail, monsieur Éric Pfaff. Pfaff, excuse-moi, je vais te couper parce que j'ai besoin des questions. Oui. Oh non, là, j'étais parti. Moi. Non, ça y est, il était lancé. Ça y est. Je me dis, c'est bon, c'est moi. Prépare-toi, ça reprend. Je me concentre, allez. Concentre-toi, ça va reprendre. Le bataillon des enfants perdus. Exactement. Donc, c'est un polar qui est basé sur de faits réels. Parce qu'à côté de ça, je suis thérapeute. Alors, je pense que pour moi, ça a été une thérapie, le fait d'écrire. Parce que c'est des moments qui sont compliqués. Hein. C'est des gens qui ont subi des violences sexuelles ou des viols pour relater un peu leur histoire, qui est romancée. Et dans ce bouquin-là, on a un flic, Strauss, qui a un passé aussi d'enfant compliqué, mais il est flic, donc il doit rester sur la bonne ligne. Donc, je l'ai écrit comme un scénar à la base. C'est bam, 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 bam. Moi, je suis boxeur à la base. Moi, je suis coach en sport de combat. Et le livre, il est écrit pareil. C'est un combat de tous les jours. Et du coup, moi, les gens, c'est ce qu'ils me disent. Une fois qu'on a mis le nez dedans, c'est fini. Hein. Ça se lit d'une traite. Je suis en train d'écrire la suite. D'accord. Et là, on est en train de se battre avec des prods pour le faire en série télé. Moi, j'ai mis des noms de comédiens sur les rôles, comme Lelouch, ce genre de personne, sur le rôle principal. L'éditeur, il me dit, on en fait combien? Je suis allé 50 pour les potes et la famille, histoire d'eux, on va se taper une barre. Il me dit, non, c'est pas comme ça, Eric. Ça marche pas comme ça. Non, et j'en ai vendu 600 depuis le 20 juin. Et on en a recommandé 200 parce que ça... Ouais, ma grande surprise, je suis heureux, hein, parce que je suis pas de ce monde-là. Merci en tout cas. De rien, c'est moi qui vous remercie. Nous avons le président du département qui s'excuse, il était retenu par d'autres obligations. La présidente du Grand Poitiers aussi qui s'excuse, qui était retenu par d'autres obligations. Nous avons aussi le sénateur Bruno Belin qui s'excuse, il était tenu par d'autres obligations. Nous n'avons pas une réponse de Mme Bellamy, c'est votre sénatrice. Nous n'avons pas de réponse du député non plus. Comme quoi la culture intéresse énormément de politiques. Et nous devions avoir la venue de M. le maire de Saint-Benoît, alors peut-être qu'il passera un petit peu plus tard. En tous les cas, nous n'allons pas retarder l'apéritif. Donc dans 10 minutes, je vous propose qu'on se retrouve tous au bar pour faire le pot de l'amitié, en quelque sorte, entre auteurs, éditeurs, associations d'édition, et pourquoi pas, quelques visiteurs.
Venez, vous êtes filmé. Va, Lolo.